Voilà, on a Léon pendant quelques minutes. On a Léon, comment est-il? Bonjour, Georges Chardonnay, pour tous les amis auditeurs de Radio A. Nous saluons, nous sommes bien contents et avec Radio Zénith là. Bon, nous en forme et nous suivons. Et nous connaissons une organisation dans la diaspora qui a milité pour défendre le droit de la diaspora et puis qui a attiré l'attention sur la question de la 50. Quel est notre objectif nous gain et nos organisations ça? Georges, forme d'organisation relais et solidarité des Haïtiens de la diaspora, SOD, son regroupement à la base qui est créé à partir de divers militants qui tapent soit dans l'organisation de base en Haïti, soit dans l'organisation estudiantine qui ensemble au groupe yo mettez campé organisation ça qui paraît à partir de mois décembre 2012 et 2013 et pour nous dire que nous-mêmes nous commençons tout ensemble et nous établis un forum de discussion entre divers militants ça qui est papillé et dans plusieurs villes et ou bien des gros agglomérations qui sont en Amérique du Nord, et aux États-Unis, et nous gagnons militants et soldats qui New York, Miami, Boston, et nous gagnons qui Connecticut, nous gagnons militants et organisations qui vivent même tout au Canada et pour Amérique du Nord là, nous gagnons en Europe tout, en France, et nous gagnons tout et ces domaines. J'avais dit c'est un regroupement de divers mondes qui d'abord en Haïti qui eux-mêmes ont nécessité de mettre tête ensemble pour continuer la bataille là au niveau des diaspora. La bataille ça l'a fait non seulement pour sensibiliser Haïtiens sous question de la 50 là, mais elle a fait promotion tout pour culture haïtienne là et la bataille au niveau de politique pour permettre que les Haïtiens qui sont dans la diaspora participent dans la bataille pour changer la vie en pays d'Haïti. C'est objectif, nous, et non seulement objectif spécifique, et on parle de dollars 50 ans, c'est à travers les batailles que nous menons en dans les communautés haïtiennes qui permettent que, je vous dis, sort lui-même, lui est créé, lui prend naissance, la renforcer tête lui et la structurer et pour permettre que bataille au niveau et diaspora lui-même et changer les conditions de la vie monde. Nous avons comme si fait la leçon à nous, quatre boum en Haïti, mais n'a porté cette solidarité de nous de façon active, mais pas passive, active dans le cadre de bataille et peuple haïtien, mais nous changer la vie. Très bien. Mais dans le cadre de bataille, ça, qui première action nous poser dans le niveau organisation, ça pour permettre justement que soit nous gagnons on et comme des cas dit ça, on reddition de compte pour dire nous qui ça l'argent diaspora, lui-même, les voix en Haïti a fait, ou bientôt, est-ce que nous inscrivons nos démarches de, par contre, de intenter des actions contre Moun Sayo qui t'a fait le route cochée à l'agent Sayo? Rapidement, pour essayer de comprendre, il faut dire que diaspora haïtienne n'a gagné à peu près 2 millions de monde qui vivent là-dedans. Ça veut dire dans l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Sud, et en Europe, et dans les Antilles, il y a même en Afrique, et nous avons une autre minorité qui est au Japon, et une autre minorité, et juif, et qui est même capable de vivre en Chine. Mais le problème qui gagne, c'est que gagne, et dans le moment ça, que M. Matéli est estimé gagne, et on l'argent dans la diaspora, fuck, il prend. Et il décide de mettre, entre guillemets, il y a une taxe, bon, il n'y a pas de taxe parce qu'il n'y a pas voté dans le Parlement, et il prend une taxe réelle, mais son bagage est forcé. Il prend et met chaque grain haïtien qui fait transfert, et qui est haïtien à vivre à l'étranger, qui est vivre en Haïti, mais des bouches font transfert, il prend $2.50. Et lui-même, il prend 5 centimes sur chaque grain appel
c'est chaque minute qui fait que. Ça veut dire, gagner un fonds que M. Martelly était prêt pour lui permettre, entre guillemets, dit, libéral, et mettez, et à peu près, et 1 500 000 timons de l'école. Et à partir de fond, ça, que libéral sous diaspora, tout le monde dit ça, nous jugez. Nous dit, premièrement, et illégal le fait que, par exemple, aucun côté, et non, et constitution, ou bien aucun non loi finance pays, qui parlait de taxe, ça. Ça avait dit son taxe, qui est illégal. Et nous-mêmes nous dit que comment taxe illégale on en apprend qu'à permettre changer éducation dans le pays d'Haïti. Nous dit c'est impossible, même là, l'Italie avec le Fonds national d'éducation, nous dit que ça, c'est de l'argent que nous prend pour être capable et utiliser à des fins politiciennes. Soit pour payer des députés, soit pour corrompre des agents et la fonction publique, nous croyons que c'est réellement l'argent. Nous disons, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec une situation là. Premier bagage, nous avons fait au niveau de la nous demandons à Haïtiens qui vivent aux États-Unis en particulier, qui fait transfert, pour ne pas utiliser les autres transferts qui prennent comme là. Par exemple, nous avons dit que, dans un moment, ça, le taxe illégal, ça a imposé, Martelly imposé diaspora, nous avons dit que ce seulement un gramme, on a été capable de faire un transfert pour ne pas prendre de la sacre pas. Nous avons pensé que c'était légitime pour que Haïtien yo refuse de payer de la sacre pas parce que nous avons garanti que l'agence a bien servi pour l'école, l'agence a bien servi pour mener l'école. Si, on exemple rapide, si nous remarquons quel scandale qui fait au niveau de fonds, ça, et nous remarquons tout, quantité d'argent que nous avons fait dans payer l'école bidon ou bien de l'école qui n'a pas même existé, et l'agence a. Nous dit, Haïtien, vous mettez ça pour faire, vous ne pas payer. Et Kounia, là, nous-mêmes nous dit que. Non seulement si nous ne continuons pas à les payer, mais nous devons dire qu'il faut que nous ayons contrôle sur le dollar 50. Nous disons dollar 50, ça, que le nouveau gouvernement, ça, le gouvernement privé, a utilisé, continue à utiliser, nous dit nous-mêmes au niveau de la diaspora, il faut nous contrôler. Comment contrôler la voie faite? Faut nous créer une commission pour faire évaluation sous gagote que le gouvernement et Martelly, la mode, gouvernement Martelly et Conning, gouvernement Martelly Plume, utilisé dans le moment ça. Nous dit que faut qu'il fait audit sous fond ça pour garder quantité d'argent qui dépensait réellement pour éducation, quantité d'argent qui gaspillait dans le même et certains membres et en dedans. Secteur public ou bien secteur privé, nous dit que faut que diaspora ait contrôle l'argent, faut que diaspora ouais exactement quantité de quantité d'argent qui gagne dans l'État et pour gérer la question ça. Mais où tu as parlé là de quelques agences pour diaspora lui-même pour pas voir quoi pour question de la 50 là, mais nous parler là de l'autre agence, on parler de Monegam qui t'a pi bon selon nous même pour ta fait, mais de fait nous connaît des problèmes ça dans éducation, des problèmes ça dans domaine éducatif là, côté gagner professeur yo qui pas qu'à toucher, nous là dans professeur psycho côté gagner là de 16 mois 18 mois qui pour que j'aime qu'à toucher et l'agence ça t'a permettre pour toucher, gagner l'école yo même tout qui pour qu'à connait ça au bras le faire, il y a quelques parents qui peuvent même ouais subvention pour l'école, le ministère de l'éducation nationale qui lui-même déjà annoncé ouverture des classes pour 5 septembre qui a venu là, lui-même pour qu'on parle, lui pour qu'on logement. Est-ce que nous-mêmes dans la diaspora, nous pas ta pensée, l'état pi bon si nous ta utilisé yon pi gros moyen qui capable de river sous moun sa yo, surtout moun dans le ministère de l'éducation nationale, surtout moun sa yo qui dans l'état qui concerné par le ministère ça, nous ta utilisé yon pi fort moyen qui ta
arriver sur yo pour permettre là nous-mêmes nous voyer l'argent pour le river côté le doit river pour yo pas utiliser à des fins politiques ou bien utiliser de façon par pendant ce temps domaine yo te doit utiliser là lui-même continue à couper continue des problèmes dans domaine là. Justement, on a des questions. Faut donc que là pour un examen rapide et pour permettre aux auditeurs de comprendre. Et non, yo moi. Nous va aller vite tout, nous va gagner le temps. Mais au fait, français et question ça, il y a 3 millions de dollars qui entrent pendant un seul seulement un mois. Parce que et Monsieur Mantelli te dit lui-même, la percevoir 100 000 dollars par jour. Et 100 000 dollars là, par jour, sur le métier de votre crop, il y a 3 millions. Et si nous avons multiplié par 60 mois que le gouvernement Mantelli a fait, nous avons à peu près quantité d'argent qui a rien disponible. Pour qui ça, il prend l'argent ça, il ne va pas utiliser, et il ne va pas utiliser dans créer l'école, ou bien payer les professeurs, parce que l'État est légitime. Au lieu de choisir de mettre l'argent à la disposition de l'école qui n'a pas même existé, ou bien des sénateurs, ou bien des députés qui utilisaient des antimounes pour payer l'école. On dit que l'argent ça lui-même, il fait mauvais route, fuck diaspora, disons, sur lui. Disons, ça veut dire son très bonne idée au bail là, que l'argent ça n'a pas utilisé pour payer les professeurs. Okay. Professeurs qui va toucher. Pour qui ça fait l'école et bon, les tuyaux t'as utilisé, qui va même exister. Mais des fois, ça a utilisé l'argent ça, alors que c'est des sénateurs, des députés qui ont bénéficié tout l'argent du que diaspora travaille pour lui faire transfert, pour le voyer et bailler. Faut dire, estimation claire. 3 millions de dollars non au mois que le gouvernement et Mantelli a entré et ils ont dépensé à peu près et 70% dans tout l'argent qui monte. Mm-hmm. Est-ce que nous, ouais, que l'éducation a évolué? Non. Mais je crois que là, on a des difficultés dans la question de l'argent. Ce n'est pas seulement $50, mais 5 centimes au point par minute. Mm-hmm. Sur chaque appel téléphonique qu'on a fait là, le gouvernement haïtien prend 5 centimes. Et 5 centimes là, et nous connaissons qu'il y a à peu près 2 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora, et si nous ne disons pas 90%, et pour nous ne disons pas 100%, fait appel en direction de Haïti. Okay. Et nous voyons que quantité d'argent que le gouvernement a rentré. Bon, merci à Pilou Ronald Léon. Oui. M'espérer, on l'a gagné plus de temps pour nous élaborer beaucoup plus sur le problème diaspora à faire face et qui j'en ai fonctionné dans la diaspora. Merci à Pilou, passez bon week-end, n'a pas l'autre.